Commence à faire un peu chaud là. Hein. Il fait chaud. Oh, oh, oh. Ce sera ça l'intro, je m'en fous. Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu mobile. Oui, vous avez bien entendu, un jeu mobile, c'est pas du tout Red Shadow Legends, je suis pas sponsor par le jeu auquel je vais jouer, mais je trouvais ça vraiment stylé, vous allez très vite comprendre et puis c'est parti. Alors là, on est dans un entretien d'embauche avec Monsieur Chang. Bonjour, entrez Monsieur David. Ok, on s'appelle David. Excusez-moi, je vais juste dire un mot à ma secrétaire. Pas de soucis. Monsieur Chang s'en va. Je prends la calculatrice qui est sur le bureau où je siffle. Je siffle à qui? À quoi? À comment? Où ça? Quoi? On va dire la calculatrice. Bienvenue dans mon bureau. Asseyez-vous, je vous en prie. Je bois le verre d'eau qui est sur la table. C'est pour moi le verre d'eau. C'est pour moi le verre d'eau. On va y aller tranquillou pilou. Non, c'est pour la plante, mais vous pouvez le prendre, ok? J'étais persuadé qu'il y avait une calculatrice ici. Ah merde. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Oh, ça va être énorme. Alors même si la vidéo doit être quand même assez drôle, on va essayer de réussir un maximum cet entretien d'embauche. Moi, je rigole pas du tout. Je joue pour ma vie. Tu te présentes pendant 3 minutes. Ok, très bien. C'est marrant, je crois connaître votre père. C'est bien le gérant de la société Phoenix. Oui, pourquoi? On a fait la même école d'ingénieur. Ok. J'espère que j'ai pas raconté du bullshit quand même. Pourquoi avoir choisi notre entreprise? Était à 5 minutes à pied de chez moi pour votre expérience et votre statut de leader sur le marché. On va jouer le susboule vraiment à fond dans ce premier niveau. Intéressant. Vous me flattez, monsieur David. Je ne dis que la vérité. N'en faites pas trop non plus, monsieur David. Ah merde, j'aurais dû répondre l'autre. Pour un commercial, il est essentiel de calculer rapidement. Peut-être que la calculatrice va nous aider sur ce coup, non? Par exemple, si vous avez 12 produits de 58... J'ai pas envie de faire des maths, en fait. Vous pouvez me dire quel prix cela fait au client. Ah bah c'est bon, en fait, il y a la calculatrice. On va utiliser la calculatrice discrètement, je pense. Tu donnes le prix exact. C'est bien ça. Vous me bluffez, vous êtes un passionné des chiffres. Bien sûr, je suis surdoué. Oui, j'adore ça. Et si on n'aime pas, on fait quoi, non? On peut pas répondre non? Oui, j'adore ça. Si je vous dis 3598 multiplié par... vous me dites... Je sais pas du tout. On va répondre l'infini parce que sinon il va gruger le truc et ça va être n'importe quoi. Vous blaguez, monsieur David? Mais oui, je blague, bien sûr. Ne bougez pas, il faut que j'appelle ma secrétaire. Mais on s'en fout. En fait, je suis venu pour l'entretien d'embauche, mais là, c'est ça part en couille, là. Je fouille la poubelle. Un chewing-gum usagé, une boule de papier, une photo de femme nue qui mange une merguez. Monsieur Chang est assez bizarre, hein. Il y a un bruit dehors. Je regarde par la fenêtre. Je regarde l'ordi de Monsieur Chang. Je regarde par la fenêtre. C'est pas la bonne idée de regarder l'ordi de Monsieur Chang. Je pense qu'avec la photo, on en a déjà vu assez. Un témoin de Jéhovah sort de la voiture. Non! Pas les témoins de Jéhovah! Ils sont partout! Le témoin de Jéhovah se fait arracher la peau du visage par le chien. C'est Peggy combien ce jeu en fait? Peggy 18. Monsieur David, tiens, ma poubelle a bougé. Peu importe, il est perdu, hein. Bonjour, oh putain, non, elle se rajoute à la conversation. En 3, on était bien, tu vois, maintenant elle casse le délire. Il paraît que vous êtes un génie des chiffres. J'aurais pas dû. Je suis venu pour l'entretien d'embauche, encore une fois, putain. Combien font 34 puissance 6? J'utilise discrètement ma calculatrice. C'est ça, incroyable. Ils voyaient pas que je suis en train de gruger leur truc en fait? Non. Vous savez quelle est la 40e décimale de pi? Je préfère qu'on s'arrête là. Je suis venu pour l'entretien d'embauche, madame. Oui, désolé, monsieur David. En tout cas, pour moi, vous avez réussi. Yes! On a la validation de monsieur Chang! Je vous contacterai très prochainement. Tu as réussi ton entretien. Yes! Le premier niveau, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait et tout. Mais le deuxième niveau, on va essayer d'être un peu plus sur le fil, essayer que ça soit drôle un minimum. C'est parti pour le deuxième niveau! J'adore ce jeu. Une négociation en béton. Par cœur, dépêchez-vous. Il y a 30 otages à l'intérieur de cette banque. Quoi? Il pose les bases directement, quoi. Prenez le téléphone, le braqueur est au bout du fil. C'est vous le méchant? Je vous écoute. On va dire c'est vous le méchant. Ce n'est pas moi le méchant, monsieur. Ce sont ces putains de banquiers qui m'ont asservi pendant des années. Ceux qui méritent de crever. Ah ouais, d'accord. J'aurais pas dû répondre ça, en fait. KO, je t'ai mis! KO! Pan. Merde! Non, mais il faut qu'on soit sérieux, là. Il vient de me tirer dans la jambe. Ah! Bordel, Parker. Non, mais j'essaie un minimum que ça soit drôle, quand même. Barrez-vous de là. Vous faites n'importe quoi. Non! On n'a pas réussi la négociation. Pan.
Quoi? C'est bon, Parker. On me confirme que le braqueur est mort. Aucune victime déplorée! Yes! Bon boulot, Parker. Vous êtes un abruti, mais vous avez réussi. Alors ça, c'est des insultes gratuites que j'aime pas trop, ça. Je lui plante le stylo dans l'oreille. Merci, capitaine. Non, on va rester sur un merci, capitaine. Même si j'aurais très voulu faire la deuxième solution. Vous m'avez dit de la fermer tout à l'heure, si j'ai des bons souvenirs. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Vous viendrez faire des heures sub jusqu'à 22h au bureau. Mais non, j'ai sauvé des gens. J'ai sauvé deux gens et il met des heures sub, ce connard. Quelle pute! Il y a vraiment plein de niveaux sur ce jeu, vraiment, il est vraiment cool à faire, entre amis ou tout seul dans les toilettes. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner aussi, c'est très important. Et puis, bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!